célébrations ont différé ce samedi 19 février 2022 de la 26e journée de la vie consacrée en la paroisse Saint-Charles-Louanga de Makelekele dans le premier arrondissement de Brazzaville. Messe présidée par Monseigneur l'archevêque métropolitain de Brazzaville, bienvenue Manamika Bafouakouaou. Dès son arrivée dans cette paroisse, Monseigneur l'archevêque a passé un temps de méditation devant le tabernacle et a béni les cierges allumés de ses consacrés au niveau de la grotte mariale. Dans son homélie, le prélat a souligné trois points qui ont retenu l'attention de ses consacrés. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis dans cette église de Saint-Charles-Louanga pour célébrer ensemble et solennellement le don de la vie consacrée. Depuis 1997, cette journée mondiale se célèbre le 2 février, en la fête de la présentation de Jésus au Temple. Je propose trois points à notre méditation. D'abord, reconnaître en Jésus la lumière du monde, lumière des nations. Ensuite, vivre notre vie intérieure avec Jésus. Et enfin, et là c'est une question que je nous pose, qui est ce que je sers dans mes bras? Les textes liturgiques de la présentation que j'ai voulu garder pour notre célébration nous aident à réfléchir sur le don que vous avez reçu, nous aident à découvrir dans un regard de foi toujours plus pur le rayonnement de la beauté divine diffusée par l'Esprit dans votre forme de vie, votre consécration. À prendre conscience de votre mission incomparable dans l'Église pour la vie du monde. Dans son mot de circonstance, la sœur Dorothée Lusaku a demandé d'unir les efforts. Pour cette année, le Saint-Père, le pape François, a choisi le thème de la synodalité pour confirmer la synergie qui doit exister entre nos différentes communautés. Unissons nos efforts pour bâtir un monde meilleur et travaillons pour trouver les meilleures solutions aux défis de notre temps. Au cours de cette célébration eucharistique, qui est d'ailleurs la première de Monseigneur l'archevêque, de la vie consacrée au niveau de la province ecclésiastique du centre, le père Raphaël Bazébizonza a été élu par voie de vote le jeudi dernier 17 février par les consacrés comme vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée en remplacement du père Brel Daouda Malela après 5 ans à la tête de ces derniers. À l'issue de cette messe, le père Raphaël nous livre ses impressions. Ceux qui ont pensé que je pouvais représenter la vie consacrée, c'est pas un honneur. Les honneurs, on les a. C'est pas un honneur, c'est vraiment un appel. Moi, je vois ça en termes d'appel. Le Seigneur qui nous appelle à son service. Dans sa traditionnelle attachement à la Vierge Marie, Monseigneur n'a pas voulu déroger à la règle, celle de remercier de tout cœur la Reine des Apôtres.